Parce que ça, c'est pour moi, pour faire du bon raisin, c'est ce qu'il y a d'important en fait. Ce qu'il ne faut pas confondre, il y a juste un truc là-dedans qu'il ne faut pas confondre, que je trouve c'est vraiment important, de se dire que la vigueur, ce n'est pas la taille qui va maîtriser la vigueur. Elle ne maîtrise pas la vigueur, la taille, elle adapte la charge à la vigueur. C'est-à-dire que l'idée, regardez ici, l'idée c'est que on a un cep, donc trois ceps, sur lequel on a laissé 9 bourgeons l'année dernière. Ces 9 bourgeons laissés sur ces 3 ceps, on s'est retrouvé avec un cep qui se comporte comme ceci, un comme ceci et un comme ceci. C'est-à-dire qu'on a un cep où on a de nouveau 9 sarments qui correspondent à ce que l'on cherche à avoir comme taille de sarment, comme volume de sarment. Et on a eu des raisins sur tous les sarments de manière homogène, une maturité homogène. Tiens, donc là, on se dit, je suis dans un équilibre. Je relaisse 9 sarments. Ici, je me retrouve avec des gros bois, des entrecœurs, des doubles, j'ai épampré plein de fois, et là je me retrouve avec encore beaucoup de bois, des bois très gros, très 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 dynamiques. Je vais augmenter la charge de bourgeon. Quoi que dise l'appellation, je vais augmenter la charge de bourgeon pour essayer de faire en sorte d'avoir les mêmes raisins ici que ici. Ce que je veux, c'est avoir la même maturité et le même type de raisin sur deux plantes qui fonctionnent différemment. Ici encore, si je veux faire du raisin, je veux diminuer, je ne vais faire qu'une taille à côte. Parce qu'en fait, si je compte les bois, je vais me retrouver à compter un bois, un demi-bois, un demi-bois, un demi-bois, un demi-bois, un bois, un demi-bois, un bois. J'en ai 5. 5, oulala, j'ai 5 bois et il me semble que ma plante va pas très bien. Du coup, j'ai tendance à même pas laisser 5, je vais laisser 4 bourgeons. Pourquoi? Pour faire moins de grappes en proportion du volume de feuilles, et en faisant moins de grappes, j'ai des grappes qui ressemblent à celle-ci et à celle-ci, encore une fois, puisque j'ai une énergie qui est distribuée correctement, et en plus de ça, je demande un peu moins d'énergie à ma plante, qui va pouvoir se retaper et peut-être faire 6 à 7 bourgeons l'année prochaine, parce qu'elle va récupérer de l'énergie qu'elle n'a pas mis dans la maturité du raisin. Ça, c'est vachement, vachement important. Parce que souvent, on pense qu'on va maîtriser la vigueur en taillant. Et en faisant ça, on mutile la plante. La maîtrise de la vigueur, elle se toujours fait, elle se fera toujours par le sol. C'est par le sol que ça se passe. C'est des notions complexes parce qu'on peut avoir une hétérogénéité de l'expression, comme on le disait, avec des plantes vigoureuses, d'autres moins. Et là, je vous dis maîtriser par le sol, c'est bien joli. Mais en fait, toutes les plantes qui ont des flux de sève qui sont cohérents, toutes, elles poussent de manière dynamique. Et là, j'en ai une qui ne pousse pas de manière dynamique. Là, la question, c'est est-ce que c'est un problème réellement de vigueur et qu'en diminuant la charge, je règle le problème? Ou est-ce que j'ai peut-être plutôt un problème de circulation de sève? Vous comprenez? En fait, il y a encore des paramètres à rajouter à ces choses-là et on ne peut pas, de but en blanc, dire c'est ça qu'il faut faire. Par contre, c'est sûr qu'en diminuant la charge, à chaque fois, on permet d'avoir des raisins similaires. C'est ça le but et ce n'est que ça. Si je veux que cette plante-là se retape, j'ai une autre solution. Je peux aussi laisser 9 bourgeons et faire quoi? Pour qu'elle récupère toute l'énergie. On fait tomber toutes les grappes. Si on fait tomber toutes les grappes sur cette plante-là, toute l'énergie, 100% de l'énergie, va se stocker dans la plante. La première année, vous n'aurez même pas l'impression que ça a fait quelque chose. Par contre, dès l'année suivante, comme vous allez avoir un volume de réserve plus important, la plante va se remettre à pousser de manière plus correcte. Donc là, c'est lourd de sens et vous voyez que adapter la charge à la vigueur, ce n'est pas si binaire que ce qu'on penserait, hein. Il y a plein de paramètres à connaître et on a intérêt à bien connaître la parcelle et c'est là que c'est les ouvriers qui connaissent le mieux la parcelle, savoir dans quel état elle est, dans quel état elle était l'année dernière et se dire, bon, pourquoi j'en demande plus, pourquoi j'en demande moins? D'accord? Et tout ça, c'est une réflexion qui est extrêmement fine. Pour finir sur ces images-là, ce que l'on peut observer sur des charges adéquates, c'est que, regardez cette baguette-là, tous les sarments font la même taille sur la baguette. Ça, c'est un signe qu'on a une charge qui est très adaptée à la vigueur de la plante. C'est assez régulier de rencontrer des baguettes qui se vident au milieu, où on a des bois à la base, quasiment rien au milieu et un gros bois à la fin. Là, quand vous rencontrez ce genre de situation, c'est que
vous laissez trop de charge. Hein? C'est que ben, les deux du milieu vont faire des grappes. Hein. Vous voyez, des fois, on a un sarment long comme ça qui fait une belle grappe. Mais rappelez-vous, je vous disais, qu'est-ce que c'est qui fait circuler la sève élaborée? Comment elle récupère la sève élaborée? La sève élaborée circule par consommation. Donc, vous avez une grappe qui va consommer l'énergie fabriquée par les autres sarments. Donc, c'est-à-dire que l'énergie va être redistribuée dans toutes les grappes. Donc, c'est possible d'avoir de la sève élaborée qui descend du sarment du bout, qui passe sous le sarment juste avant et qui remonte dedans pour maturer les grappes, puisque les grappes consomment beaucoup d'énergie. Si il n'y a pas assez d'énergie fabriquée par la photosynthèse, les grappes vont aller piocher dans les réserves pour mûrir. Vous comprenez? Eh oui. Donc elles puissent sur le pied. Donc elles puissent sur le futur. Ici, on voit que la baguette aussi est assez vide ici. Et là, c'est pour une autre raison. C'est que il n'y a pas eu d'ébourgeonnage de tête. Il y a eu un épamprage un peu avec une machine sur le pied, mais il n'y a pas d'ébourgeonnage de tête. Ça veut dire qu'on se retrouve à avoir plein de pampres qui poussent à la base de la baguette et des coursons. Et donc ces pampres-là, ils vont pousser de préférence au bois qu'il y a plus loin ici. Et donc vous allez avoir des fenêtrages sur la baguette simplement parce que vous n'avez pas épampré correctement la souche. Et donc ça, c'est une perte sèche. Perte sèche. Puisqu'en fait, l'énergie, il aurait mieux valu qu'elle aille dans des sarments qui faisaient du raisin. Donc, ça veut dire, là, à ce moment-là, et c'est un moment où c'est compliqué de trouver de la main-d'œuvre, mais c'est à ce moment-là qu'il aurait fallu avoir de la main-d'œuvre. Et chaque sarment enlevé, vous aurez fabriqué sans doute une grappe supplémentaire. Donc, ça veut dire que, en quelque part, ça commence à redevenir intéressant si on réfléchit comme ça. Mais si on n'a pas cet œil-là, et si on regarde pas ça, on ne le voit pas. On attend la fin, et après, hop, on tire la manette et on dit « j'ai eu 35 hectos ». C'est bien, c'est pas bien. Mais il faut vraiment prendre le temps de regarder tous ces facteurs pour pouvoir analyser ces 35 hectos. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on a eu 35 ou 50, ou c'est pas parce qu'on a eu le rendement qu'on a eu quelque chose d'équilibré. On peut avoir quelque chose de très déséquilibré parce qu'on a eu des bois énormes et des trous sur les baguettes gigantesques. Et du coup, on a peu, mais pas parce que la plante était capable de faire peu, simplement parce qu'on a mal géré notre plante. Et ça fonctionne encore mieux dans l'autre sens. D'accord? On peut avoir beaucoup une année en se disant ben, « j'ai laissé plein, j'ai beaucoup » et l'année d'après, la plante elle n'est plus capable de rien faire parce qu'elle s'est vidée complètement dans les grappes. Et là, on a un phénomène d'alternance. Une année ça donne, une année ça donne pas. Une année ça donne, une année ça donne pas.